I was talking, you can keep showing them. So you gotta stand, we're gonna be back. I don't know. It's hard to say to be right. Alright. Okay, we start now. Bonjour, tout le monde. C'est Monsieur Joël Casso. Je suis le numéro 1 fan de ce monsieur aux États-Unis. Alors, ce monsieur que vous voyez, vous pouvez l'aimer comme vous ne pouvez pas l'aimer. Moi, j'aime ce monsieur. S'il y avait au moins tout le monde, tous ces soi-disant féticheurs, quoi, 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 si vous pouvez faire comme ce monsieur-là, peut-être que l'Afrique va quitter dans la misère. Comme il a dit, moi, ça fait plus de 30 ans que j'habite aux États-Unis. Mais je n'ai jamais osé d'aller en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est malfaiteur sorcier. À cause de ça, je n'ai jamais osé un jour passer à aller en Afrique. Mais un jour, j'ai regardé des programmes d'émission sur ma télévision, sur YouTube, et puis je suis tombé sur Joël Casso. Tout ce qu'il disait, tout d'abord au départ, je ne croyais pas. Mais après, j'ai vu sur place, il guérissait les gens, et puis les testimonies, les gens venaient dire comment ça s'est passé, comment ils ont été guéris sur place. Il donne pas canari à quelqu'un, okay, juste pour prier sur les gens, et puis ils sont guéris. Actuellement, je suis en train de me préparer pour aller en Afrique. À cause de ce monsieur-là. Parce qu'il a enlevé la peur sur mon cœur. Vous qui êtes en train de le dénigrer, tout et tout et tout. Moi, il ne me donne pas l'argent. Hein. Tout ce que je peux vous dire, je m'appelle Sékou Fofana. Si vous avez des parents ici aux États-Unis, demandez. Tout le monde me connaît. De New York City jusqu'à Détroit, tout le monde me connaît. Tout le monde. Demandez, je n'ai pas faim ici. Je n'ai pas faim. Si moi j'ai ma faim, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me donner quoi que ce soit. J'ai tout ce que je veux dans ce pays-là. Je travaille pour mon propre compte. Je n'ai pas de boss. Je m'appelle Sékou. Joël Casso, c'est mon Dieu. Il n'est pas prophète pour moi. Hein. C'est un Dieu pour moi. Je vais vous raconter mon histoire. Avant, j'étais malade. J'étais prêt. Il y a mon œil droit. Je ne voyais plus avec mon œil droit. J'ai envoyé ma femme. Aller le voir là-bas. J'ai payé son transport, tout et tout, pour aller à Divo. Quand elle allait à Divo, elle n'a pas pu avoir Casso. Mais elle a parlé au secrétariat, et puis maintenant. Donc, quand elle a pris le rendez-vous, elle est partie. Elle a acheté 3 bouteilles d'huile. Son huile magique, là. Je crois à ça. Bah, elle a versé ça, là-bas brûlé. L'huile m'a suivi jusqu'aux États-Unis. Son huile, ça m'a poursuivi jusqu'aux États-Unis. Au moment où je vous parle, je vois. Moi, je vois un mot. Je vois un. Il ne m'a pas touché, il n'a pas mis de main sur moi, rien. Seulement lui qui l'a vendu à la bonne dame, qui a été versé à mon nom, à Abidjan. Vous savez combien de kilomètres ça fait à Abidjan, aux États-Unis? L'huile, moi, m'a guéri ici. Ça que je ne mets plus en Afrique. L'huile, son huile qui va, moi ça m'a guéri. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai dit. Parce que Casso, je lui ai écrit, mais il ne m'a pas répondu. Il a dit, au lieu qu'on va dépenser sur le truc de la connerie, pourquoi ne pas l'aider? Je m'assois ici, j'ai dit à Casso, mon adresse, je m'appelle Sékou Fofana. J'habite à 8575 Bessemort. B-E-S-S-E-M-O-A-M-O-R-E. La rue se suit, on écrit ça suit. S-T-R-I-I-T. Michigan, Détroit, 48213. C'est mon numéro, ça. Mon adresse. Mon numéro de téléphone, c'est le 214-414-4858. Casso, si tu vois, si tu as reçu mon message, tu m'appelles. Je te donne 600 000 francs chaque fin d'année pour t'aider à continuer tout ce que tu veux pour les enfants là-bas. Tous les enfants que tu as gardés là. Moi, personnellement, je te donne 600 000 chaque fin d'année pour ton aide. Merci.
Tout ce qui est en France, vous battez là-bas. J'ai vu un monsieur qui mangeait bonbon là. Moi, je le suis. Il mangeait bonbon, je l'ai vu sur YouTube. Il parlait de crasso. Le jeune, ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein. L'Afrique là, quand vous dites que l'aventure est difficile là, c'est difficile, je comprends. Mais la difficulté en Afrique, c'est mieux qu'en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a des gens qui ne mangent pas là-bas. Il y a des gens qui dorment sur le fauteuil des gens. Mon ami, tu as pleinement raison. Oh, la petite fille là. J'oublie son nom encore. Quelqu'un a parlé bien ce nom. Boka, là, la petite fille Boka. Si tu es prêt à l'envoyer en France, j'ai donné mon numéro. Tu m'appelles. Moi-même, je vais te donner 1 million pour t'aider. Pour enlever la fille là de l'orphelin pour l'envoyer. Si tu as pu faire ça, tu m'appelles, tu me dis comment je dois t'envoyer l'argent. Je vais t'envoyer 1 million pour t'aider à faire quitter la petite fille de Abidjan à Paris. Moi, mais je te garantis ça. Je ne me montre pas. Hein. Moi, je ne me montre pas. Je ne suis personne. Je suis camarade à tout le monde ici. Mais quand la vérité vient, il faut qu'on en parle. Tous ceux qui sont là mal parlés de. Du prophète Crasso, c'est des sorciers. Eux-mêmes, ils sont sorciers. Si vous attendez vos cadres pour faire venir Crasso, pour vous délivrer dans nos villages, vous allez tous mourir là-bas. Les sorciers ont tout donné. Ce n'est pas les sorciers, les cadres, leurs mamans sont des sorcières. Ils ont donné des vies humaines pour devenir ce qu'ils sont là-bas. Donc, c'est pour vous dire que Crasso, là, Crasso, je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, ce monsieur-là, il est réel. Il est réel, il n'est pas faux. Il n'est pas faux. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça en Afrique qui peut se lever, soigner les gens sans baraboutin, sans racine, sans feuilles, sans marmite, rien. Sur place, vis-à-vis. Ce monsieur m'a convaincu. Et vous l'avez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas aussi, tant pis pour vous. Merci à vous tous.